Seigneur. Le Seigneur. This God that we serve. This God that we serve every day. Si vous saviez. Attendez, j'ai informé les gens du groupe que nous sommes en direct. Vous faites partie d'un plan. Vous êtes au milieu d'un champ, ok? Un champ de bataille. Everybody say amen. I'm preaching good tonight. I don't even know what I'm preaching about, but you know, I'm just talking. L'ennemi aime jouer la carte de « on ne te voit pas ». Tu es seul dans ton film. Je suis là ce soir pour te dire, vous savez qu'on jeûnait aujourd'hui. Donc, le matin, on a prié. À midi, on n'a pas prié ensemble. J'ai prié seul à midi. Le soir, je suis en train de faire le direct. Donc, si vous entrez dans mon groupe, sachez que ça sera comme ça. Là. C'est comme ça que c'est. Il y a quelqu'un ici là, tu as eu des batailles. Tu as commencé à faire certaines choses. Et tu as eu l'impression que ça s'est effondré, ça s'est écrasé. Dieu va utiliser le chaos pour te bénir. Il va utiliser le chaos pour mettre de l'ordre dans ta vie. He's going to use chaos to put order in your life. Beaucoup d'entre vous, vous sortez des trous de votre famille. Oui. Je vais mettre ça sur TikTok. Vous sortez des trous de votre famille. Vous avez des batailles dans lesquelles vous êtes né sans même savoir. Tu as commencé quelque chose, un business, un magasin. Tu es arrivé dans un pays, tu as voulu faire tes papiers, toi, l'ennemi t'a frappé. Et depuis là, tu es comme si tu es caché, tu es en sous-marin. Écoute, hein, la bataille est toujours en train de se passer sur toi. Mais le tout, si Dieu est en train de te justifier, Dieu est en train de restaurer ce qui t'appartient, qui avait été volé. Même si pour l'instant, c'est tellement brouillé que tu ne sais même pas. N'abandonne pas. Il y a des appels que tu as reçus. J'ai toujours su que je serais écrivain. Tu commences à écrire un livre. C'est comme si quand tu commences, tous les problèmes de la tête tombent sur toi. Tu laisses le livre. Tu sais, c'est même quoi ça? Laisse. Tu commences la musique, tu entres en studio, après ça, le studio brûle même. Le studio brûle. Tu commences à organiser que, ok, je vais faire les dons dans les orphelinats. Tu commences, on escroque tout ton argent que tu dis, écoute, l'appel qui a sur ta tête, c'est comme une mise à prix, ça va rester. Les années que tu as passées dans le noir, Dieu te préparait. Je disais à un de mes fils spirituels l'autre jour que il a rêvé qu'on l'intronisait. Et il vient vers moi et me dit, il dit que ne te casse même pas. On peut t'introniser dans le rêve en 2023. Physiquement, on t'intronise en 2026.
Parce qu'il y a des montagnes que dans le spirituel, on doit d'abord descendre. Et en enlevant ces montagnes-là, c'est douloureux. Première chose, tu n'abandonnes pas. Tu ne pars nulle part. Tu ne laisses pas tomber. Deuxième chose, tu gardes la foi. Écrivez les promesses que Dieu vous a faites. Écrivez l'appel que vous avez reçu. Écrivez. Write it somewhere. J'ai des personnes qui me contactent aujourd'hui, je dis, waouh. Moi, j'avais même oublié. Mais la personne m'a connue en 2014, 2009. Que depuis le temps-là, tu étais déjà comme ça. Hein? Beaucoup de vos qualités, de vos capacités vont vous être dévoilées progressivement. Mais s'il y a une chose qu'elle peut vous garantir, ça va se passer. Je vous assure. Il y en a ici, vous étiez censé même être déjà à la présidence. Tu es censé avoir été reçu par le président de la République du pays où tu vis. Même si tu es en France et que tu es camerounaise, tu es censé avoir été reçu par M. Macron. Est-ce que j'ai dit quelque part ici que c'était facile? Parfois, on te voit, on dit que waouh, ce que tu fais là, tu dois être connu, tu dois être reconnu à l'international. Vraiment, l'ennemi est venu se mettre à la porte. Il est venu se mettre à la porte. Tu écoutes ce message sur aujourd'hui pour que tu comprennes. Je suis là pour te rappeler des promesses et des alliances que tu as faites avec le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, c'est quelqu'un que... J'avais commencé à faire des interviews. J'ai interviewé les gens de l'UPC Mandem, oui. C'est les premiers opposants au Cameroun. Depuis là, les premiers, pas le PC de maintenant. En écoutant leur histoire, c'est ce que j'ai compris. Et il y a un truc qui m'a marqué quand ils nous expliquaient comment, pendant la période de Macky Sall, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Franchement, leur récit était captivant. J'ai bien envie de mettre ça sur une plateforme où nos enfants et nos petits-enfants vont écouter. Et les messieurs, ils me disaient un truc. Qu'à cette époque, ils fonctionnaient avec la parole. Donc, si ça semble aujourd'hui, ils se disent que on va se retrouver ici dans 7 mois à 14h30 dans la cabane-ci. On part. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas. Ce qui fait que chacun part, il compte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Le 7e mois, le jour qu'ils se sont entendus. Il se lève de là où il est, il part. Il n'est pas où? Je vais quelque part. Il est en train de partir à son lieu de rendez-vous. Il arrive, il s'assoit. Quand l'heure arrive, vous attendez, vous attendez. Et là, il demande que vous faites comment? Il dit que si on ne voit pas une personne après quelques heures, on sait que il a été sûrement tué par le régime. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une société où les gens ne tiennent pas leurs paroles que Dieu ne tient pas ses paroles. Généralement, c'est vous qui vous dépêchez. Dieu te dit, attends ici. Reste dans le mariage là. Hein? Il n'écoute même pas ce qu'il dit. Hein? Ouh, il m'a trompé. Pierre, tu es parti. 2 ans plus tard, quand Dieu te cherche, il ne te trouve pas. Tu es où? Je suis parti en bain. Tu t'es impatienté, tu es parti en bain. Dieu, qui était, ça fait 1000 ans, 10 000 ans, et maintenant, oh, c'est le même Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une époque où les gens ne respectent plus leurs paroles que Dieu a changé. Donc, je suis là aujourd'hui, comme tu m'écoutes, pour te rappeler que ce que Dieu a dit de toi, ça va se passer. Tu me suis, non? On t'a refusé le visa 5 fois. Hein? Tu n'as pas de carte de séjour depuis 5 mois ou 5 ans. Ne te dérange pas. Cette parole aujourd'hui, c'est pour te dire que la cavalerie est en route. La cavalerie est en route. Ta requête avait été prise en compte. On avait préparé. Donc, tu envoies ta lettre. Ça prend 6 mois pour arriver. On prend 2 ans pour préparer ton paquet. Ça prend encore 6 mois pour revenir.
La première année, tu vas te fatiguer. Je vous recharge de force aujourd'hui. Quand tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je déclare que tu vas être patiente. Tu vas être patiente. Tu vas attendre le moment opportun. Tu vas attendre le moment opportun pour recevoir ta bénédiction. Je restaure tout ce que tu as perdu comme vigueur, comme force, comme courage pour tenir devant l'ennemi. Tu te relèves dans la prière, tu te relèves dans l'espoir, dans la foi au nom de Jésus. Ta bouche va redire, va encore prophétiser, va dire ce que Dieu t'avait promis au nom de Jésus. Ta positivité, la foi se relève en toi. Il y a une personne ici là, tu étais une femme de foi. Quand tu es arrivé, tu croyais que tu pouvais changer quelque chose là-bas en France. Aujourd'hui, tu te caches. Le Seigneur te rappelle ton alliance avec lui. Il n'a pas changé. Et à vrai dire, mais toi-même, tu n'as pas changé. Je vois une autre personne ici là, tu as péché dans tes trucs. Tu t'es retrouvé dans les trucs fornication, ceci. Wow, tu es même sorti avec les hommes mariés. Tu te dis que Dieu ne peut plus m'aimer. Écoute, quand tu écoutes ça aujourd'hui, tu as les dettes, tu as fuite avec les gens à qui tu dois de l'argent. Oh, oh. Écoute, hein, l'enfant prodige, quand il est revenu vers son père, le père n'a pas voulu savoir tu étais où, tu étais avec qui, pourquoi ton habit est sale. Sortez-moi le plus beau vêtement, portez sur lui. Portez sur lui. Donc je t'habille aujourd'hui. Je t'habille. Tu me suis? Je mets la bague sur ton doigt, la bague de commandement. Tout trou là où on t'avait attaché, les menottes qu'on a...